Welcome once again to our channel in Creative Europe Media Catalunya. The DA Film Fest Barcelona 2022 ended a few days ago, and finally, we were able to meet at the movie theatres at full capacity. The DAF Film Festival Barcelona is the only festival in Spain that participates in the celebration of the 60th anniversary of Critics Week, the oldest of the parallel sections of the Cannes Film Festival. Since 1962, the French Film Critics Union has organized an alternative program that focuses on emerging filmmakers, authors who present their first or second film and who usually go unnoticed by the official competition for the Palme d'Or. More focus on the names we already know. The Catalan Film Center, one of the venues for Da, has hosted a selection of 11 films that have gone through Critics Week between 2011 and 2021 by the hand of its CEO over the last 10 years, Charles Tesson. In this selection of films from all over the world, they screen six European films, all supported by media development and or media distribution. A Tale of Love and Desire by Leila Bouzid, a production from France in 2021. Sicilian Ghost Story by Fabio Grassadonia and Antonio Piazza, a co-production between Italy, France and Switzerland from 2017. The Swarm, by Jas Philipot from France in 2020. FUC by Agnieszka Smoczynska, a co production between Poland, Czech Republic, and Sweden from 2018. RAW by Julia Ducournau, a co production between France and Belgium in 2016, and don't forget, winner of the last Palm d'Or. And Augustine by Alice Wikonuch, a production from France in 2012. We were able to talk with Charles Tesson about the Critics Week in Cannes, about media and about his way to promote new voices in the film scene beyond established canon. Just as a quick reminder, Critics Week is the place where filmmakers like Ina Ritu, Andrea Arnold, Ken Loach, Bertolucci, Juan Caruay, Francois Zone, to name a few, or more recently, our filmmakers Clara Roquette or Oliver Laxe were discovered. Media supports the development of projects and nurtures the discovery of new talent. What is the secret of Critics Week to detect this young talent so soon? C'est vrai qu'il faut d'une part avoir le, le goût de la curiosité, avoir envie de voir énormément de films, et puis d'être euh, séduit, étonné par des choses qui fait que ça vous apporte quelque chose de différent de ce que vous voyez habituellement. Et c'est vrai qu'on a souvent des il faut faire confiance à ses émotions et à la façon dont le film vous touche. Et la façon dont... C'est vrai qu'on a... En tant que critique, on voit beaucoup de films et je pense que d'en voir beaucoup, on a une grande culture, je dirais, du cinéma. Et que tout d'un coup, quand quelqu'un amène le cinéma ailleurs, une manière de traiter des sujets, etc. Et ce qui m'intéresse le plus dans un film, c'est moins la, la perfection du savoir-faire, mais une personnalité. Quelqu'un qui a Envie de me raconter quelque chose, de me dire des choses avec les moyens qui sont ceux du cinéma. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est passionnant de chercher. le. Il y a quand même dans le monde entier une passion pour le cinéma, une envie de faire du cinéma, même dans des pays qui n'ont pas de moyens économiques, de culture. Mais il y, chose, il y a quelque chose où je suis optimiste là-dessus. Et ce que je trouve passionnant, c'est d'être étonné, d'être séduit, d'être ému. Et, de se... Et ce que je m'adresse de plus, c'est moi la maîtrise. De son art qu'une personnalité. Je sens une personnalité dans le style, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de faire des plans. Et ça m'emmène ailleurs. Et plus je vois des singularités, si je peux dire, et plus je suis, je suis content. Media support, narrative innovation, and new visual approaches. Do you think film critics are responsible for setting the future visual trends? Les, les critiques, on est. Effectivement, on a un regard particulier. Et le fait qu'un critique soit sélectionneur, c'est la place inhabituelle. Parce que d'habitude, les, les critiques voient les films en festival, une fois terminés, si je puis dire, et sont des prescripteurs pour conseiller, donner des avis, analyser. C'est vrai que quand on est sélectionneur, on ne peut pas tout demander à un film. On peut demander à un film, c'est plus dans sa manière de raconter une histoire, de traiter un sujet politique ou sociétal très fort ou d'avoir une ambition plus esthétique, plus poétique. Chaque film peut être ça, et ce qui est important dans une sélection, c'est d'apporter toutes les couleurs possibles du cinéma qu'on fait. Et c'est vrai que là-dessus, le, le, c'est important d'avoir cette... Parce qu'il ne faut pas non plus être obsédé par le nouveau, parce que comme on dit dans, je crois dans les, les, les enfants du paradis, le nouveau, c'est vieux comme le monde. Donc il faut se méfier un peu de, de cette nouveauté-là. Mais ce qui est important, c'est de voir comment... Euh, Qu'est-ce que le film attend de son spectateur? Qu'est-ce qu'il attend du cinéma? Et quelle réponse il me donne en tant que film? Et à partir de ce moment-là, effectivement, il être, faut être accueillant et généreux avec le cinéma. Il faut être aussi exigeant. Et je pense que là-dessus, c'est important de, de, de voir comment des générations, puisqu'on voit qu'il y a des générations qui sont un peu écrasées par le poids des aînés, qui ont du mal à surpasser ça ou à trouver une liberté ou des chemins d'école buissonnière. C'est très intéressant de voir comment des jeunes générations quand font des premiers films tracent un chemin très libre, différent des précédentes générations sans être contre les générations auparavant, mais ont envie d'explorer d'autres voies. Et je trouve que là-dessus les premiers films, c'est encore un endroit où on a cette liberté et c'est magnifique. Media support festivals with European programming. Among the 11 films selected at DA, there is a majority of European cinema. In your view, c'est vrai, mais c'est pas le. On... C'est les films, quoi. Qui... Mais c'est vrai qu'en le... Europe, il y a quand même un système en termes de politique, de cinéma, de production, de coproduction. Et quand il y a plusieurs coproducteurs européens, il y a les aides, etc. Et... Et en même temps, il y a aussi beaucoup de producteurs européens, en France hypermédia en Espagne par rapport à l'Amérique latine, l'Allemagne aussi par rapport au pays d'Asie, qui est aussi un système de coproduction qui ouvre à tous les cinémas du monde. La France a également ça. Et je trouve que c'est important que là aussi, l'Europe ne se contente pas seulement d'avoir de, 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 un très bon cinéma européen, mais aussi d'avoir de, des, des ouvertures en termes de coproduction sur d'autres cinématographies. Je trouve que là-dessus, c'est formidable, cette politique-là. Et puis c'est important le rôle des festivals par rapport à tout ça, parce que je pense que les, les, les festivals, c'est les vraies fêtes de cinéma aussi. Il y a quand même beaucoup de publics qui viennent voir des films en festival, parce que c'est comme une sorte de fête de cinéma, une sorte de contrat de confiance entre les programmateurs de festivals et les films. Et puis après, de, il faut éviter aussi le côté ghetto des festivals dans une sorte d'entre-soi. Il faut aussi avoir l'idée, quand on choisit un film, c'est le festival doit le faire connaître. La presse va en parler, il va pouvoir sortir et il faut que ça soit plutôt un tremplin pour l'amener vers les salles et le public. Quoi. Et c'est vrai que là-dessus, le rôle des festivals, on a une responsabilité énorme par rapport, un, à l'évolution du cinéma, puis deux, aussi à la vie du monde du cinéma jusqu'au public, à la diffusion et tout. Donc ça, c'est là-dessus qu'on est. C'est qu enfin, un rôle précieux, mais qui est passionnant. Does Critics Week, somehow, represent for a filmmaker the previous step before reaching the Palme d'Or? C'est-à-dire que nous, on est, on... il y a beaucoup de cinéastes, c'est un peu notre fierté, parce qu'il y, y a des festivals, ou même on le dit souvent de la compétition à Cannes, où c'est souvent les mêmes cinéastes, au Ken Loos, Tardenne, ce sont des très bons cinéastes, ils font des très bons films, on a envie de les sélectionner, ça me paraît tout à fait logique. Mais nous, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est heureux quand tout d'un coup on a sélectionné un film, on a cru en ce cinéaste-là, et après ben, on le voit en compétition à Cannes, on le voit à Venise, on le voit faire une carrière dans d'autres festivals. Donc pour nous, c'est notre plus grand bonheur. Ça veut dire qu'on a fait le travail et qu'il ne s'agit pas seulement de sélectionner des films, mais aussi de, de, de sélectionner des cinéastes qui vont dans le cinéma apporter une tonalité qui leur est propre. C'est ça qui est le plus dur pour euh, sélectionner euh, un film. C'est de, de savoir comment la personne va se projeter dans le cinéma à partir de ce premier film-là. Parfois, il y a des films premiers qui sont tellement bien. Ils ont du mal à enclencher sur la suite. Il y a des films parfois qui sont plus fragiles, qui ont des défauts. Mais moi, c'est comme Renoir qui disait, enfin, le, les films, c'est comme les personnes, les défauts, ça les rend un peu humains, et les gens parfaits sont ennuyeux. Donc les films aussi, quand ils ont des défauts, ils peuvent être touchants. Et je pense que là-dessus, c'est important de pouvoir déceler ces choses-là dans, dans les nouveaux talents, mais c'est passionnant. Les médias always talks about cultural diversity, but also about industry. Do you think that the competition of first films has been increased in recent years, when the way of making cinema has been somehow democratized? C'est vrai que je trouve que le, par rapport à la politique qui commence avec le court métrage, hein, il faut rappeler que le court métrage reste quand même un élément important, même s'il est peu diffusé en salle, mais à la télévision et dans les festivals. Mais quand on a un projet de long métrage, dans les commissions, on lit le scénario, mais aussi on regarde les courts métrages qui ont une importance essentielle pour enclencher. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide et d'encouragement au premier film, y compris dans les festivals, à Cannes, la Caméra d'Or, incité à sélectionner les premiers films. Je dirais que le plus compliqué, c'est la suite, c'est d'enclencher le deuxième et le troisième. Et, et des fois, euh, si le deuxième déçoit par rapport au premier, c'est compliqué. Et je crois que c'est les trois premiers les plus difficiles. Si vous avez enchaîné très bien les deux, trois, après, je pense que vous pouvez continuer plus facilement. Mais c'est vrai en Europe, et puis dans beaucoup de pays, il y a quand même, grâce au festival, grâce à la production, grâce à un travail de producteur indépendant, aussi, il faut dire que... Tout ce travail de découverte et de prospection, même s'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, mais ce travail de dénicher des nouveaux talents dans les festivals, des courts métrages, les premiers films, c'est le monde du cinéma et des festivals et des producteurs indépendants qui se fait. Donc, ce tissu de diversité dans la production est vraiment la chose la plus importante qui soit. Media fosters gender balance, inclusivity and diversity. What is critics' weak position about this? Can Eva Kahan, who succeeded you in the role, bring the, that change? Oui, c'est vrai que le, 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 je l'ai senti euh, déjà dans la semaine quand moi j'y étais, il y avait il y a toujours un comité de sélection parité hommes-femmes, avant même qu'on en parle, parce que je trouvais que c'était la chose pour moi la, la plus évidente. J'ai vu aussi, parce que j'enseigne à, à l'université, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'étudiantes qui voulaient étudier le cinéma à l'université, parfois plus ou autant que des garçons. Mais après, on avait du mal à les retrouver dans les films et les longs-métrages. Les choses évoluent. Et je trouve que c'est très important. Enfin, D'une part, euh, même si les pressions, si je puis dire, pour des quotas et tout, mais après, je trouve que c'est des pressions qui ont été utiles pour euh, sensibiliser, faire attention. Mais après, il faut prendre les films pour ce qu'ils sont. Parce que ce qui m'intéresse maintenant beaucoup chez les réalisatrices, c'est qu'il y a plus de diversité dans les sujets. Les premiers films c'était plus par rapport effectivement pa patriarcat, émancipation, ces sujets-là, qui sont des passages importants et des sujets forts. Mais je vois maintenant des diversités aussi esthétiques. Quand on voit, par exemple, Julia Ducournau, titane ou cru ou Grave, on est sur des choses qui ne sont pas spécialement attendues. Et ce que j'aime beaucoup dans la génération des réalisatrices aujourd'hui, c'est qu'il y a une plus grande diversité des sujets, des dimensions esthétiques, et tout d'un coup, cette variété fait la richesse aussi de ce cinéma féminin. What does the European audiovisual industry need right now to preserve its identity in the face of new business models that include consumption on platforms? And Somehow, acquisition of sofas. Cette question-là est très importante, parce qu'effectivement, par rapport à la situation du confinement et des fermetures des salles, même si je sais qu'en Espagne, vous n'avez pas fermé les salles, mais en France, euh, oui, et ça a eu des conséquences assez terribles. Et c'est vrai qu'il faut... Je pense qu'il faut... Euh, c'est important, c'est d'abord le tissu de la production et de la diversité, puis en même temps le les salles et le rôle des festivals. Mais c'est vrai que la, 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 par rapport à... Ce, qu faudrait, ce, que ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait un fossé entre. Parce qu'avant, au cinéma, il y avait un tissu. On ne pouvait pas dire art house, grand public. Il y avait des cinéastes comme Ozon et tout. Qu On ne peut pas dire que c'est du cinéma d'auteur, mais c'est un cinéma grand public. Pas, et et c'est important de maintenir cet arc comme ça. Alors que. Les, 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 les plateformes, c'est soit des auteurs, c'est des films identifiés, et il ne faudrait pas que tout d'un coup les plateformes soient des grosses machines américaines, des blockbusters, et puis d'autres films essai dans les salles. Ce qui est important, c'est de maintenir un tissu et de ne pas rester dans des ghettos art house plus grand public. Ça, c'est les, les plateformes et ça. Et donc là, il faut maintenir ce tissu-là. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est pour ça que on le dit souvent, c'est facile de produire un premier film à un million d'euros. Mais produire un film d'auteur qui attend son métier film qui coûte 5 millions d'euros, il a besoin de ces 5 millions comme léos Scarrax quand il fait son film là, mais là il faut trouver un financement qui permette à cette exigence artistique de s'exprimer avec d'autres moyens. Ça ça me paraît le plus important. Do you think Critics Week is a good example of preserving the values in film education that media promotes? Ce qui est très important et ça en tant que critique nous on est très sensible à ça. c'est aussi de former non, pas de former un public, mais de, mais de former. Enfin, de, il y a quand même beaucoup de personnes qui, si on ne leur avait pas dit d'aller voir ce film-là, n'y seraient pas allées, n'auraient pas été émus, bouleversés. C'est des rencontres. C'est très important. C'est pour ça que l'importance d'ouvrir le cinéma à l'école, de faire en sorte que des enfants, des adolescents aillent au cinéma, de les sensibiliser au cinéma, au VO, de leur donner le goût d'un cinéma qui n'est pas celui que les plateformes peuvent leur donner, et ça peut les, les éveiller, les intéresser, les ouvrir. Ça, ça, ça c'est un travail de fond qui est essentiel. Parce qu'on le voit même en France, on dit que le public, avant, les gens qui allaient le plus au cinéma, c'était les, les jeunes. Le public RSA, c'est un public un peu comme moi, cheveux gris, plus âgé, et les jeunes n'y vont pas. Il faut former ces nouveaux publics. L'école, dans les lycées, à l'université, est un lieu essentiel de formation. À la culture cinématographique, à un cinéma différent, il faut former le public, le familiariser, le, lui donner le goût de critique, le goût du regard critique de ce que le cinéma donne et procure. Et ça, c'est tout un travail de fond. S'il n'est pas fait, ça va être très très compliqué. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Tesson. Thank you very much. On behalf of Creative Europe Media Catalunya, we would like to thank the collaboration of DAF Film Festival Barcelona and the Filmoteca de Catalunya for welcoming us and making this meeting possible, and we invite you to follow us. Thank you.